c'est parti. Pour la première manche avec les Sud-Afrique, la première part de Marco Tossois, alors que la deuxième poussée de la Christophe Pierrec, l'univers actuel du championnat de France, était formidable et fort en tête du premier virage. Il y a Ludovic Meuron qui a fait un bon départ également. Et toujours en tête, Christophe Lévesque, retour de Jean-Louis Garnier, de Marc Lesotsois et d'Olivier Denis, alors que Michael Cartier, le régional de l'étape, est en quatrième position, dernière ligne droite, avec Jean-Louis Garnier, toujours en tête devant Marc Lesotsois, troisième position pour Michael Cartier et Olivier Prosper, occupant la quatrième position. De mon Gallimard complètement à l'intérieur de la piste. Tandis que Toretti est bien sorti. Et il y a également Thomas Allier, Sian Delmas, Frédéric Legal, Ludovic Laurent et Stéphane Martadier. Alors quel est le pilote qui s'en va, si je me trompe, c'est Thomas Allier là-bas. Retour de Fabrice de Toretti. Est toujours en première position Thomas Allier, Fabrice de Toretti. Alors que Frédéric Legal vient de prendre la deuxième position, quatrième place. Pour Sian Delmas, maintenant la dernière ligne droite engagée. Avec toujours le deuxième championnat de France provisoire, Fabrice de Toretti. Le troisième, et Michael Cartier, deuxième en partant de la gauche. Alors c'est bien parti pour le champion du monde et champion de France en titre, Christophe Lévesque, dans cette catégorie de supercrosseurs. Alors Olivier Denis occupe la seconde position et Michael Cartier occupe la troisième position. Et il reste 150 mètres de course avec Christophe Lévesque toujours en tête devant Olivier Denis. Et il y a un retour de Marc Lesotsois qui se retrouve à terre avec Jean-Denis Garnier et Christophe Lévesque toujours en première position, Olivier Denis en deuxième place. Michael Cartier qui est dans son jardin va peut-être attaquer Olivier Denis, alors que Olivier Prosper lui prendra la quatrième position et notre ami Christophe Boll la cinquième position. Deuxième série, est-ce qu'il est là Thomas Allier? Ah, je ne le crois pas. Ah, malheureusement Thomas Allier n'est pas revenu. Il est là? Où est-il? Ah, il est caché. Ah, il était caché là-bas. Ah, je suis content de le revoir, il a même pris un excellent départ. Ah, il s'est bien remis Thomas Allier. Frédéric Legal est en deuxième position. Ah là là, ça va de plus en plus vite et heureux de retrouver avec un super matériel de Fabrice de Toretti en lutte avec Thomas Allier pour la première place. Thomas Allier est premier, Fabrice de Toretti 2. Et bien également Frédéric Legal en troisième position, Ludovic Laurent en quatrième position. Alors ce soir, Mielma occupe la cinquième place, retour à la tête de la course. Un Thomas Allier 2, Frédéric Legal 3. Fabrice de Toretti, Jean Mielma revient dans la quatrième position. Allez, c'est parti pour la troisième manche qualificative maintenant, le supercrosseur avec Christophe Lévesque complètement droit qui vient sorti. Ludovic Laurent est bien sorti aussi. Olivier Prosper occupe la cinquième, la position maintenant. Charles Le Prosper avec un extérieur à Vitrine. La quatrième position, Christophe Lévesque devant Ludovic Laurent. Alors que Jean-René Garnier occupe la troisième place. Olivier Prosper la quatrième. Olivier Denis la cinquième. Et notre ami Marc Le Prosper la sixième. Christophe Boll la septième position, la dernière ligne droite. Christophe Lévesque toujours en tête devant. En seconde position, Michael Cartier. En troisième position, Jean-René Garnier. En quatrième position. Alors que Jésus c'était. Ah là, il est là, Ludovic Laurent. Il y a Fabrice Vittorati, Sven Delmas. Et il y a un départ fabuleux de Thomas Allier. C'était tombé tout à l'heure en première marche pour se qualifier pour la grande finale. Et absolument terminé en première position maintenant. C'est d'ailleurs ce qu'il semble faire. Thomas Allier en première position devant Frédéric Legal. Fabrice Vittorati en troisième position. Sven Delmas qui va tenter de passer à l'intérieur pour la troisième place. Mais toujours Thomas Allier en tête. Frédéric Legal deuxième. Fabrice Vittorati en troisième position. Sven Delmas quatrième position. Il y a que notre ami là-bas, il y a un peu plus souvent le 13 août à Machecoul pour terminer le 14 août. Alors, je vous retrouverai puisque j'en fais partie. Et vous aurez des stands. Alors, on aura le nom du champion de France. Thank you.
sont de la grille des temps comme une véritable bombe. Et les autres se tirent comme une véritable bombe de Marlier. Et les secondes classements provisoires du championnat de France et Dakar. Et le club la pompe s'échelle pour l'instant. Alors que c'est Jean-René Garnier et les deux décorants qui sont derrière lui. Juste devant moi, c'est qui va remporter cette première manche qu'anime Jean-René Garnier. Peut-être Jean-René Garnier, Xavier Baudouin, qui est en deuxième position, le nom des Corans, ou encore Olivier Denis de l'Échappée. Oh, c'est le premier. Un Jean-René Garnier aussi, alors qu'il était... Et on se trouve sous les mètres de fer à l'intérieur, et l'envoi la marche de Pandois, alors que David de Benoît a fait un petit peu largué, a pris un mauvais départ. Allez, encore quelques mètres avec Marc Le Bossois, Michel Lavander, Olivier Brochet, l'envoi la main de David de Benoît. Il reste 20 mètres de à sa facture de fer, Marc Le Bossois maintenant a pris la tête des opérations. Olivier Brochet est à un mètre derrière, Michel Lavander, pour la quatrième place, c'est David de Benoît qui va la prendre devant Laurent Lemal, en cinquième position. Est-ce qu'on revient à la série? Il y a également Miguel Cherchet. Monsieur Frédéric Legal est sorti de la grille de mettre véritable bombe devant Miguel Cherchet. J'ai un soutien. Assez de la prochaine position. Un mètre pour le moment ferme le coton. Alors qu'il y a le 36 avec Jérémy Lucarne qui occupe la quatrième position. Frédéric Legal toujours en première position. Miguel Cherchet va attaquer. Il est donc sous jardin, Miguel Cherchet. Toujours Chedon, Miguel Cherchet, Chedon, Miguel Cherchet, Frédéric Legal. Notre ami Miguel Cherchet, alors que pour la troisième place, mais devient bien d'enfer. Un retour à la tête de la course. Il faut absolument qu'il prenne place en finale pour être sacré champion de France. Christophe Lévesque, John Delmas fait une excellente prestation. Et ensuite la deuxième place avec John Delmas était tombé dans des marches sur Rio La Pape. C'est son grand retour ici à Chanson. Et il prend aller. Y a-t-il un abonné? Il n'y a pas d'absence abonné. Christophe Lévesque, par les yeux tombés, il est pour la première place après son course. Et c'est Christophe Lévesque qui sera en tête devant Vendrice Vettoretti. Juan Delmas et Stéphane Martasi se partagent les deuxième et troisième places, sans oublier un retour de Jérémy Nautry pour la quatrième position. À 110 mètres de la ligne d'arrivée, Christophe Lévesque est toujours en tête devant Vendrice Vettoretti. Juan Delmas revient pour essayer de prendre une deuxième place, alors que Jérémy Nautry terminera en quatrième position. Allié Laurent Denis, Garnier et Boule Redois. C'est parti avec le Sergio Redois qui est sur la piste. Il reste la quatrième position pour l'instant. Ah si je ne me trompe là-bas. Et j'en suis même certain maintenant. Il vient de faire un intérieur extraordinaire. Jean-René Garnier, là ne peut-on faire aujourd'hui. Le Valier deuxième, Ludovic Laurent, Olivier Denis quatrième. Alors que Xavier Redois a le grand retour de Xavier Redois sur la piste de Chanson. Ça me fait extrêmement plaisir. La victoire de Thomas Lier devant Ludovic Laurent, Jean-René Garnier en troisième position. Oui, c'est parti maintenant. Marc Le Bossois vient sortir de la grille de départ. Et il y a également David Redois qui est à l'intérieur. C'est Marc Le Bossois devant David Redois, Olivier Brochet. Le Roland Michel Lavandé qui passe à l'extérieur. Bien fait une course d'enfer. Marc Le Bossois toujours en tête. David Redois deuxième. Olivier Brochet 3, Michel Lavandé 4. L'intérieur maintenant. Il faudra relancer les mécaniques. Marc Le Bossois premier. 2 David Redois. 3 Olivier Brochet. 4 Michel Lavandé. 5 Laurent Leval. Le galmi pas donné. Michel Lapin, le régional de l'étape est sorti de faire, il le perd la première position devant Frédéric Legal. La troisième position maintenant pour le numéro 36 qui est autre que Grégory de Gare. Alors que la 15 puissance occupe la quatrième position et met la cinquième. Encore la ligne droite d'arrivée, mais d'attaque par l'extérieur pour revenir.
qui prend une place. C'est Christian Guilfort qui est au départ de Thierry Minotti, également de Christophe Lemaitre. C'est Christophe Lemaitre qui est en lutte avec Thierry Minotti, qui occupe la deuxième position. Fabrice Vettoretti la troisième et Swan Delmas la quatrième. À Stéphane Martinsier est en cinquième position pour l'instant. Retour à la tête de la course. Christophe Lemaitre, Thierry Minotti pour la troisième place. Tout est encore possible. Et c'est Swan Delmas qui se dégage à la suite de la dernière ligne droite pour obtenir éventuellement une place en bout final. Stéphane Martinsier en comptant lui la quatrième. Sommelier, regardez bien complètement à l'extérieur gauche. Il occupe la deuxième place provisoire du classement Superclasse 20 pouces. Et c'est lui qui sort en tête du premier virage. Alors qu'en seconde position, c'est Olivier Denis qui occupe ses deuxièmes positions. Jean-René Garnier, la troisième place. Et Ludovic Laurent, la quatrième. Mais superbe prestation du grand retour de Xavier Rodoy qui occupe la quatrième place maintenant. Ah bien, j'ai le cœur qui bat pour Xavier. Car Dieu sait si Xavier Rodoy nous avait vivre des moments inoubliables et bien sûr ancrés dans l'histoire du Big Cross mondial. Ah, c'est parti maintenant, Michel Lavande est complètement en rouge à l'intérieur, tout est possible. Marc Lecossois, et attention, ça se chatouille un peu, Michel Lavande et Laurent Lemal deuxième, David Rodoy, Michel Lavande en première opposition maintenant, on fait des intérieurs, c'est... Le pilote se retrouve à terre, Michel Lavande premier, Laurent Lemal deuxième, et Olivier Prosper en troisième position, alors que Marc Lecossois et David Rodoy, malheureusement, dans le deuxième virage, se sont retrouvés à terre. Attention, une victoire de Laurent Lemal devant Michel Lavandet, Olivier Prosper, troisième, David Rodoy à terre, malheureusement, et Marc Lecossois, mais c'est pas bien grave, ce sont des ennuis. Oh, bah, je sais, on les a mis même en vacances. La dernière série, avec le régional de l'étape, Miguel Verté qui est bien sorti de la grille départ. Et Jean-Christophe Lacaze qui occupe la quatrième place. Et c'est le maillot Webco, Miguel Verté, le régional de l'étape, qui est en première position. Attention, la deuxième place maintenant pour le numéro 15, notre ami Frédéric Legal. Et il y a également Grégory Decarle qui occupe la troisième position, Marc-Étienne d'Alger la quatrième. Et ensuite Christophe Lacaze, la cinquième. Est-ce que Maître va résister à la pression dans la quatrième position? Oui, c'est Marc qui tient. Prosper sors de là, Prosper. Tu t'es perdu dans la caméra. Oh, les blaireaux. Ça sent l'urine. Prosper, Prosper. Prosper, que pensez-vous de la descente de Capdag et de votre résultat? Je pense que les Français c'est très bien et que ça plaît de tomber dans les pierres. Résultat sur 500? Sur 500? Ah, peut-être le 500ème, non? Ah, moi j'aurais une question, monsieur Prosper. Je vous ai vu descendre, est-ce que c'est vrai vous avez pris 220 dans le bas? J'ai pris quoi? 220 km/h. Ouais. 220 km. Avec les pédales automatiques? Non, pédale BMX. Il avait qu'une pédale. C'est vrai que pour descendre, vous avez perdu les pédales, mais vous avez mis les vans avec les pédales automatiques, c'est normal, non? Il est carré ton pédale. Allez, pas de réponse? Non, pas de réponse. Ok, je passe la parole à Jean-Paul Lotte. Monsieur Chevalier, c'est le tour de l'entrée.
ils s'envolent pour la première position dans cette demi-finale. En l'occurrence, il s'agit de Cyril Messier du club d'Omega, deuxième position avec le numéro 14. Il s'agit en l'occurrence de Corinne Poupino du club de Metz. Enfin, il s'agit de la forêt et David de Michelot qui occupe la quatrième place vont également se retrouver en grande finale A. Il y en a mis en place la protection civile, messieurs de la protection civile. C'est parti pour la finale la B. Avec un excellent départ de Michel Lavandé, de Thierry Minotti qui est à l'intérieur. Thierry Minotti, Olivier et Denis occupant la troisième position. Et Michel Clerté est un petit peu déçu de mettre en finale A, bien sûr. Michel Lavandé toujours en tête, Thierry Minotti 2. Olivier Denis 3e, Michel Clerté 4e. Et également, bien sûr, notre ami Lacaz et Christophe Delon en Aquitaine qui est en 5e position. Alors, on tourne la tête de la course pour la 9e position. C'est un duel entre Michel Lavandé, également Thierry Minotti, Michel Lavandé, Olivier Denis a tenté de revenir également. C'est Jean-Marc Platier, Frédéric Hurvain, qui est pas très mal parti de la grille départ. C'est Christophe Lévesque qui sort en tête du premier mélange de Montalagne. Et Stéphane Martinier, 3e, le ballon remal en 4e position. Et également, Joël Delmas qui est revenu faire un tour extraordinaire. Alors qui va prendre la main des places? Oui, voilà, ça se chatouille maintenant avec le jeu Christophe Lévesque qui est entré de notre manier à chute là-bas de notre ami Joël Delmas maintenant. Christophe Lévesque en 2e, de manier 3e, Frédéric Le Gall, pardon, et en 4e position le Ramal, 5e position qui a su pas vu. Le vainqueur de la semaine dernière a dû mettre pied à terre et ne sera pas vainqueur de chanson car actuellement il s'agit de Tony Frère qui occupe la première opposition. Damien Faberet est en deuxième opposition et la troisième place est en bout de Jimmy Dug à la ligne droite d'arrivée. Victoire de Tony Frère, devant le second de position, Tabou de Damien, la troisième place. Pour Jimmy Dug de Chili Bonrangiste, à la fin de Fred le Sico, le vainqueur de la finale. De position maintenant. Alors il reste une place peut-être pour le podium attribué. C'est un particulier. Je l'attribue à Cédric Chaud. Cédric Chaud, mais attention, je suis attaqué par l'intérieur. Parce que Damien Fermé des Beaux. Sébastien Paradis, nous sommes rattrapés et rapportés. Sébastien, c'est le champion devant Émeric Meillard. Et pour la troisième place. Pour la troisième. Ah, il y a quelqu'un qui est resté dans le champ. Il s'agit de Frédéric Le Gall dans l'avant-champ. Il s'en fait mettre dans la lutte. Chaudel Bas se retrouve à qui est-ce qui est la lutte pour la première opposition? C'est notre coup, c'est Christophe Lévesque là-bas avec Thomas Allier. Christophe Lévesque, Thomas Allier, Fabrice Eto'o et Marc Le Gaultois. Et alors on voit le mal dans la lutte, Marc Le Gaultois. Et également avec le numéro 36, Grégory Le Gall. Alors son tour extraordinaire de Frédéric Le Gall. Après avoir pris un mauvais départ, Frédéric Le Gall revient dans les roues. Et Mélida, le lutte maintenant, Christophe Lévesque, Thomas Allier, Fabrice Eto'o et Marc Le Gaultois. Devant le mal. Why are you?